Attends, je prends le marron. Hop, je fais ses doigts. Moi, je fais son sang quand il est mort. Son sang quand il est mort? C'est trop bizarre. Coucou les filles, ça va? Oui, ça va. En coloris, tu vois. Qu'est-ce que j'entends quand il est mort? C'est son sang. On fait un petit coloriage Minecraft. Tu le connais celui-là? Ah, c'est Steve. Ah ouais. Du coup, on a un coloriage pour deux. D'accord. Comment déjà? Steve ou Steven? Non, c'est Steve. D'accord. Bon, ben moi je vois que vous adorez colorier. Regarde, moi j'ai pris du marron ici. Et ça fait les cheveux. Ah ouais. Ça fait ses cheveux marron parce que dans la vraie vie, il est brun. Minecraft, il s'appelle comme ça et il a les cheveux comme ça. D'accord. Donc on réalise à l'identique. Tout à fait. Et là, c'est le sang quand il est mort. Oh non! Bon alors, comme je vois que vous aimez bien colorier, je vous propose un challenge qui se faisait il y a quelques mois, voire même années sur YouTube. On l'a fait nous d'ailleurs. Arrête, on va faire un 3 marqueurs challenge. Eh oui! On va faire un 3 marqueurs challenge. Vous allez faire un 3 marqueurs challenge. Ah, trop bien! C'est clair comme ça. À la veuve? Oui, on pioche 3 couleurs, c'est ça, les yeux fermés. On a un dessin devant nous et on a un temps, papounet? 3 minutes! 3 minutes pour colorier tout un dessin? 3 minutes! Pas plus. Ok. Vous êtes prêtes les filles? Oui. On lance le générique et on y va. Générique. Et nous revoici les petits copains et petites copines. Coucou Mamoun, Net, coucou Ellie, vous êtes prêtes? Oui, on est à fond. Ellie, elle finit son petit coloriage. Elle s'entraîne. Ouais, pendant ce temps, tu veux pas nous réexpliquer vite fait les règles là? Oui, je vous les réexplique très rapidement parce que tout le monde connaît ce challenge, le 3 marqueurs challenge. Donc nous avons. Fait, on met la vidéo là-bas. On vous la met là-haut. Oui, c'est vrai qu'on en a fait même plusieurs, on vous en met une. Alors c'est plutôt là, Mamounette. C'est là, pardon. Donc moi, j'ai photocopié des petits modèles provenant de chez Minecraft. Regardez bien. Hop, voilà, nous avons ici un creeper. Là, nous avons... qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un mouton. Un mouton. Nous avons ici une araignée. Flipper l'araignée. Une araignée gypsy. Ici, nous avons un cochon. Un cochon. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, un cheval magnifique. Un cheval, tu montes dessus, tu le laisses direct, il t'aime. C'est vrai? D'accord. Bon, bah, Ellie vous donne quelques tips pour Minecraft entre temps. Ici, nous avons peut-être un zombie, je ne sais pas. Ici, nous avons Steve. Regardez Steve. Ici, nous avons un poulet. J'adore les poulets. Les poulets me font trop rire. Ici, nous avons une vache. Une vache. Et pour finir, un chien. Moi, je veux... Un loup. Alors, voilà. Ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez me choisir 3 modèles au total. D'accord. Moi, j'ai déjà choisi. Alors, Ellie a déjà choisi un loup. Toi, Mamounette, vas-y, choisis-moi un modèle. N'importe lequel, un qui te plaît. Je vais prendre la poule, moi. Ah, il en faut un aussi pour Ellie, hein. Parce que vous allez faire le même. Alors, voilà. J'en prends un et je lui en mets un ici, voilà. À côté de son loup. Moi, je te donne un loup, du coup. Bien sûr. Et là, Ellie, il va falloir que tu me choisisses encore un dernier modèle un là-dedans. Dernier. Alors, pas le loup. On a la vache, regarde. Oui, il m'a fait dépasser. Oh, mon Dieu. Alors, Mamouna, tu lui as fait dépasser son coloriage. Après, on croit qu'elle dépasse. Tu veux faire un trait, on mettra du blanc, c'est pas grave. Mamounette, tu feras 10 pompes. Tu veux quoi? Tu veux Steve? Non, Steve, tu l'as déjà fait. Non, mais lui, il est... C'en est un nouveau, sinon il y a le zombie. Alors, pendant qu'elle cherche, moi je vous montre, j'ai un petit chrono ici. Vous voyez, je l'ai mis à 3 minutes. Quand je vais lancer le chrono, et ben les filles auront exactement 3 minutes pour colorier le mieux possible leur petit... personnage de chez Minecraft. Et il faut rappeler aussi que du coup, on va choisir 3 couleurs à l'aveugle. À l'aveugle, eh oui. Et moi, comme ça, on va faire. Il va falloir qu'on réalise notre dessin avec seulement nos 3 couleurs. Eh oui, il va falloir vous débrouiller avec ça. Qui sont pas du tout les couleurs de Minecraft. Hein. C'est les cheveux de Steve. Ouais, mais bon, les animaux, ils sont plus voilà, gris, marron. Non, on a tout, Mamounette. J'ai le rose pour faire le cochon. Bon. Et moi, je veux avoir le rose pour finir sur tout ça. Bah, vas-y, finis le pied. Pendant ce temps, Mamounette, on se prépare. Donc, vous voulez commencer par quel modèle? Le loup. Le loup. On prend le loup. Hop. Le loup, le renard et la belette, on aurait dû faire. On commence par le loup, le renard et la belette. Mais j'ai pas, on va pas la belette, donc
Mais là. Ni le renard. Il n'y a pas de belette dans Minecraft. Non, il n'y a pas de belette dans Minecraft. Alors, ma puce. Des tout petits trucs, on va dire que c'est des belettes quand même. Si tu veux, on fait ce qu'on veut. Alors, en fait dans Minecraft. Mets petit Steve de côté, Ellie le finira tout à l'heure. Moi, tout à fait. Je vais faire les loups et je le mets là. On va mettre les loups à côté. Voilà, et là, bah, écoutez, je vous propose de mettre tous les stylos, tous les feutres dans le petit verre et choisir à l'aveugle trois couleurs. Mais chacune votre tour. On fait une, un. Ah oui, un. Sinon ça serait trop difficile. Imaginons que tu pioches les trois bonnes couleurs d'un coup, Ellie saurait déjà. Zéro chance. Oui, mais bon, faut que je gagne. Bah oui, mais bon. Non, t'as pas le droit de gagner. Ah, allez, tu nous mets tous les marqueurs, je te dis, tu finiras Steve après. Ah ouais, après, après. On le met de côté. Tu veux le mettre là? Il lui portera bonheur. D'accord. Allez, vas-y, ma puce, regarde pas. Ferme tes yeux, tu triches pas, hein. Oh là là, pas facile. Attends, moi même. Pas facile la couleur d'Ellie là. Ok, à toi ma puce. Oh là là, pas facile. Ma mounette, ouais, à toi Ellie. Ok, vous pouvez regarder vos couleurs. Le loup, c'est comme ça et comme ça. C'est vrai? Un loup donc qui va être bleu, orange et violet. Oh là là, ça va pas être facile, ça va pas être facile tout ça. Et toi? Mais t'as trop de la chance, toi! Jaune, noir et marron! Oui. Ok. Bon, vous êtes prêtes? Attention, je vais mettre le chrono en route. 1, 2, 3, c'est parti! Oh là là, regardez les petits copains et petites copines. Nous avons donc 3 minutes. Et pendant ces 3 minutes, Mamounette et Ellie s'affrontent. Regarde, moi j'ai presque fini. Attends, déjà? Pas mon bleu, pas bounet! Ellie dit, j'ai déjà fini. Tu es bien fort! Je te jure, Mamounette, il m'a mis des bâtons dans les roues. Regarde. Alors Mamounette, j'ai pris des feutres qu'Ellie utilise souvent. Non mais il a 50 ans. Il a 150 ans. Mais bon, là, ça marche. Là, tu perds tout le temps. Oui, 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 oui. Après, tu peux faire des traits, des points, des étoiles, tu fais ce que tu veux. Hein. Oui, je voulais au moins lui faire le corps, quoi. Alors regardez les petits copains de copines, ça file. Le temps file, on est déjà 2 minutes 18. Quoi? Oh là 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 là. Enfin, il reste 2 minutes 18. Mais ça va vite, hein. On a presque passé une minute, alors 3 minutes, je vous raconte pas. Va falloir aller vite. Faut dire que les surfaces à remplir sont très très grandes. Oui, non mais attends, t'as imprimé du A2 là. Allez-y, allez-y. Alors attention, regardez bien les petits copains et les copines. Déjà 1 minute de passé, 1 minute 10 même. Oh là 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 là. Alors Ellie, elle piétine. Faut que tu fasses des traits pour remplir les couleurs. Et oui, ça c'est l'astuce, Mamounette. Faut faire du tramage. Si votre tramage se rapporte à votre plumage. Et le phénix des autres de ses bois. Oh, Jean de la Fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à pointe. Envoie la cruche à l'eau qu'à la fin elle se remplit. Ellie, pendant que tu fais des vocalises, maman elle avance. Hein. Ellie, tu vas nous montrer un pauvre coloriage là. Regardez. Je suis en train de dépasser. Regardez ce qui reste, regardez ce qui reste. Il reste 1 minute. Non mais c'est le pire marqueur challenge, regarde ces couleurs. Oh là 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 là. Ça faisait très longtemps que j'avais pas colorié, et ben j'ai super mal à la main. C'est vrai qu'en plus il faut appuyer fort avec ces feutres. Hein. Alors. Qu'est-ce que c'est cette marque? Malin comme Maped. Maped. Regardez les petits copains et petites copines. Il ne reste plus que 44 secondes. Oh là 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 là. Ah, j'hésite à vous redonner 1 minute de plus. Hein. Non, non. Non, non. Oui, non, mais... oui. Oui, oui. Tu me donnes 1 minute et maman... D'accord, je donnerai 1 minute de plus à Ellie parce qu'elle est plus petite, Mamounette. J'ai que 50, quoi. Et arrête de parler tout à l'heure, tu m'as dit colorine. Elle arrête pas de parler. Allez, on finit vite, on finit vite. Ah, oh, mais c'est pas grave. Je crois que ça ressemble pas du tout à un loup de Minecraft. Et moi, ça ressemble à... Attention, il reste quelques secondes, Mamounette. En même temps, c'est le mois de juin, c'est le mois de la Gay Pride, je sais pas quoi. Alors, attention, attention, attention. Et voilà, regardez, 0,00000. Mamounette, tu as terminé. À Ellie, je vais lui rajouter... allez, je rajoute 1 minute. Allez, 5 minutes. Je rajoute une, ça suffira. Allez, je rajoute 1 minute. C'est parti. Maman, tu peux continuer à... Bah non, je crois que c'est pour toi, mon cœur. Steve, je t'aime. Elle essaye de soudoyer le Minecraft. Regardez ce qu'il reste. Il reste 44 secondes. Moi, j'aime bien 44 secondes. Je crois que... Ça fait bonheur. Ça fait bonheur.
Je crois que ça va rien changer à l'histoire. Ça me fait bonheur. Ça me fait bonheur. Bonheur. Non, c'est pas ça. Regardez, regardez, il reste 28 secondes. Oh là là là. J'aime bien 28, ça va. T'aimes bien 28? C'est pas beaucoup. D'accord. Alors, attention, les petites copines, ça se termine. C'est presque fini. C'est presque fini. En plus, en même temps, ça peut être un loup des neiges. Et loulou des neiges. Mon cœur amoureux. C'est pris au piège. De tes grands crocs. Bah non, c'est un loup, les crocs. Oh là là, regardez, petit copain de copine de 1-0. Ça y est, ça y est, ça y est. J'ai pas fini, j'étais en train de colorier. Bah, tu finiras plus tard, c'est le jeu, mon doudou. Eh oui, eh oui, donc on est obligé d'arrêter. Hein. Ellie essaye de tricher. Mamounette, veux-tu nous montrer ton coloriage? Alors, non, je suis pas en train de tricher. Non, non, non. Non, non, t'as pas vu. Regarde ce magnifique loup Minecraft. Alors, il est plein de gros pixels et dans les pixels, il y a d'autres pixels. Il est quadrillé, il est rayé. Mamounette, je trouve que tu as vraiment bien rempli ce loup. Même si ce n'est pas les vraies couleurs, c'est pas grave. Tu l'as bien rempli parce que tu as usé d'astuces. Hein, tu as fait du tramage, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, les petits copains et copines, votez. Hein. Dites-nous si ce loup est joli, moche, très très beau. J'ai mis un petit peu de noir. T'as mis un petit peu. Alors, est-ce que tu veux nous montrer ton dessin, non, ma puce? Je veux le finir. Tu veux le finir? Mais c'est ça le challenge. Eh oui, oui. Ellie essaye de marchander, tu sais. Allez, laisse-moi le finir, vas-y. C'est ça le challenge. À un moment, il faut s'arrêter. Papa, tu peux prendre un truc et essayer de colorier. Tu veux que je participe au challenge? Mais alors là, non, ça va plus du tout. Alors, ce que je te propose, Mamounette, c'est d'enchaîner avec le suivant. Et puis. Et encore, on pourrait jouer à 3, quoi. Et oui, on peut faire ça, Mamounette. Allez, on change les règles. Tu sais ce que c'est, Mamounette? Qu'est-ce que c'est, les nouvelles règles? Nouvelles règles. Je vais te donner les autres modèles à faire. Et Ellie n'aura que celui-ci à faire. Ok. Et elle aura le droit d'utiliser 3 autres couleurs supplémentaires. Pour le même loup. Pour le même loup. Et j'ai pas le droit de tricher. Alors, Ellie, tu as le droit de choisir 3 nouvelles couleurs à l'aveugle. Alors, il faut que tu poses ton jaune. Peut-être que tu vas le repiocher. Ah oui, peut-être tu vas. Tu veux finir la pâte? Allez, vas-y, finis la pâte. C'est n'importe quoi, hein, Mamounette. Les règles changent au fur et à mesure du challenge. Finis tes pâtes, Ellie. Finis tes pâtes. Tu te lèves pas de table tant que t'as pas fini tes pâtes. Bon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. De toute façon, on dit voter les petits copains et copines, mais les commentaires sont désactivés sur notre chaîne. Mettez-nous des pouces bleus. Alors, mettez-nous des pouces bleus, c'est vrai. Oui, ils sont activés. Vous pouvez dire, Ellie a triché, oui. Oui. Je triche pas. Moi, j'ai pris le cochon, papounet. T'as pris le cochon? Moi, je vais prendre la vache. Ellie va bien reposer le rose. Et là, tu vas piocher. Repiocher à la bug. Tu vas reposer ton jaune, mon gars. Elle finit ses pattes. Oui, parce que. Pas du tout, 3 minutes. Pas du tout, pas du tout. C'est un quart d'heure, une heure marqueur challenge. Non, mais. Commence à fermer. Oui, c'est vrai, on va peut-être s'activer parce qu'il commence à fermer, on va peut-être aller se coucher à un moment donné. Il y a la mauvaise foi de cet enfant, c'est incroyable. Tu me dis l'histoire et après on continue le truc. Ah, tu veux que je te lise une histoire? D'accord, on fait tout devant la caméra en fait. On dévoile notre vie devant la caméra. 2 hours later. A few moments later. An eternity moments later. An eternity. Je crois qu'il existe. Il existe celui-ci. Oh là 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 là. Donc allez, tu vas vite nous colorier ses pattes et on passera à la suite. Ouais. Mets 3 minutes. Je remets. Bah là, oui. Non, mais là. Dans quelques secondes, t'as fini. C'est pas grave, là, on est bien branché sur l'horloge de Tokyo. Mets 3 minutes. L'horloge universelle. 3 minutes sur dans une dimension parallèle. On est passé dans un trou noir. Ah oui. Une faille spatio-temporelle. Bon, Ellie, c'est bon ou pas là? Non, j'ai pas fini. Mais qu'est-ce que c'est que ce 3 marqueur challenge? C'est du grand n'importe quoi. En plus, elle me dit, je veux trop faire notre 3 marqueur challenge. Hein. Et puis en plus, on choisit 3 dessins. Elle prend 3 couleurs. Nanani, nanana, elle me réexplique tout. Moi, je dis, bah oui, pas de soucis. Et voilà. En fait, c'était tout à base de 3 à la base. Hein. Même 3 minutes, 3 couleurs, 3 dessins. Et en là, plus, regarde, on finit à n'importe comment. Ces petites couleurs à la, sans être à l'aveugle. Bah si, elle les a pris à l'aveugle. Mais celle-là, avant, j'avais pas fini, regardez. Ah oui, celui-là, il était bien à l'aveugle, celui-là. Okay. Bon, est-ce que t'as fini les pâtes? Bolognaise. Allez, finis les carbonara. Pâtes. Carbonara. Non. Bah si, finis les patounes, là. Moi, je veux faire mon cochon. Et bah, tu finis.
Ça y est, c'est bon? Ah là, bravo! Bravo, les pattes sont finies. Bon, Mamounette, vas-y, pioche-nous trois couleurs à l'aveugle. Une. Oh là là, la chance. Deux. T'es sûr que tu regardes pas? Trois. Non, je te jure, je vais pas regarder. Allez, tu nous fais ce cochon en 3 minutes. Je vais mettre le chrono. J'ai pas fini. Mais vas-y, toi, t'as tout le temps de la vidéo, en fait. Toi, tu fais ce que tu veux, en fait. De toute façon, ce challenge est complètement à l'ouest. Allez, c'est parti. 3 minutes pour Mamounette. Go! Papa, t'as pris des feutres qui marchent pas! Surtout qu'il reste plus que 3 secondes! Non, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il reste 2 minutes 50, le challenge. Voilà, c'est tout juste de commencer. Une faille spatio-temporelle, parce que j'ai une absence. Mamounette, il faut dire que tu as un grand âge par rapport à Ellie. Donc toi, tu peux y arriver. Tu peux colorier 3 personnages pendant qu'il y en colorie un seul. Ça fait super mal de quoi. Tu dépasses. De quoi je m'en bêle? Ça te fait mal aux muscles? À mon absence de muscles. Oui. Ces choses que tu n'as pas dans les bras? Oui, tout à fait. Oh là là là. Et on est obligé d'utiliser les 3 couleurs, c'est ça le but. C'est ça, c'est ça. Bah là, rose déjà pour le cochon, je veux dire que t'es quand même bien parti. Hein. Oh là là, la technique de Sioux. Oh, j'y crois pas, je faisais ça quand j'étais en CM1. Eh bah, mais attends, tu crois qu'on avait. Oh là là! On avait des nouveaux feutres à volonté? Bien sûr que non, on écrivait avec notre sang. Ah, à la fin, quand on n'avait plus de couleur, on se coupait le doigt et on écrivait avec notre sang et notre sueur. Oh là là, ma puce, tu t'étouffes. Bon alors, Mamounette, c'est bien. Rose, t'as de la chance. Je crois que le stylo est en train de rendre l'âme. Ah, mais là... Est-ce qu'on peut dire que ce 3 marqueurs challenge est une vraie catastrophe? C'est un fail. C'est un fail total. J'ai dit des blagues, quoi. Oh là là, alors, Ellie qui ne suit pas les règles, Mamounette qui pioche des couleurs qui sont HS, on peut le dire, hein. Elles sont complètement HS. Ouais, elle fonctionne super bien par contre. Ouais, et t'as décidé de faire les ongles avec le violet. Et moi aussi, le marron, le jaune, le noir et le violet comme ça, il marche. Ah, oui, mais tu m'as pas dit combien de temps il restait. Ah, pardon, alors attends, je replonge sur mon téléphone qui s'est bien sûr arrêté. C'est vraiment un fail. Hein. Alors, il reste 1 minute 13. Oh, il reste pas lourd, il reste pas lourd. Mais attends, Léo! Et en plus, elle te donne des conseils! On n'est pas censé faire le challenge! Mamounette, le temps file! Oh là 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 là, regardez, petit copain et petite copine! Hop là, 58 secondes! Ah, c'est marrant, j'avais pas vu, on peut faire ça! Et en fait, le temps se remet à l'endroit, regardez! Mais Papounette, t'as vraiment des problèmes avec ton téléphone! Ouais, j'adore, hein. C'est un téléphone high-tech, hein. Regardez! Bah oui, tu as mis la rotation de l'écran! D'accord, ok! C'est trop magnifique! Bon, il reste pas lourd, hein. Il reste 40 secondes! Hein. Par contre, Ellie, son coloriage est magnifique. Je dois préciser. J'avance parce que là, j'ai mis du violet, la couleur préférée de papa, parce que j'ai fait plaisir au thé de papa, parce que peut-être papa va l'adorer. Oh, c'est trop mignon! C'est trop gentil. Le petit copain et une copine, regardez, il ne reste plus que 22 secondes. Je m'en fiche parce que regarde, j'ai pas fini. Bah oui. Bah toi, ma puce, comme il y a 3, on va faire le calcul, hein. Comme il y a 3 dessins, tu as droit à 9 minutes. Hein. Alors que Mamounette, elle a droit qu'à 3 minutes par dessin. T'as même 10 minutes puisqu'on t'a rajouté une minute. Regardez les petits copains et petites copines. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà. Alors, oh la Mamounette, oh la tête. La tête, refais-moi ce quintuple menton, sextuple menton, octotuple. C'est mon meilleur profil. Ah, mais c'est magnifique. Alors, est-ce qu'on peut voir ton dessin, Mamounette? Mais attends, il fait chaud. Bah oui, écoute. Regardez. Oh, magnifique. En fait, j'ai pas mis un petit mot pour que tu votes pour moi. C'est vrai? Tu ne m'as pas soudoyé? I love you, Papounet, forever. Oh, c'est mignon. En plus, si tu votes pas pour moi, je te ferai plus jamais à manger. Ça serait pas de la corruption, ça? Non, pas du tout. Pas de la corruption. De haut fonctionnaire. C'est de la menace, c'est une promesse. Bon, c'est pas mal, hein, Mamounette, parce que là, encore une fois, tu as su te servir de tes feutres pour remplir convenablement les espaces vides. Tu as même fait un petit tatouage, là. Tu sais, love, c'est comme ça. Love? Tu sais comment ça s'écrit, love? L-O-V... je sais plus quoi. Tu étais, hein? L-O-V-E, je sais plus quoi. C'est bon, hein? L-O-V-E, je sais plus quoi. Bravo, ma puce. Tu sais parler et écrire anglais, surtout. C'est fort. Bravo, on l'applaudit. Bravo, mon doudou, tricheur. Oui, mais on applaudit aussi Mamounette pour son œuvre. Alors, pendant qu'Ellie termine son dessin,
parce qu'elle a droit encore à 3 minutes. Mamounette, tu vas nous faire le poulet. La poule. La poule. Alors Mamounette, je te alors, rajoute. Tu fais la poule comment? Ben fais la poule, fais la poule, tu verras, tu seras plus cool. Ça date d'il y a au moins 15 ans, ce truc. J'étais déjà vieux. Oh là là. Allez, Mamounette, pioche-nous trois couleurs à l'aveugle. Non, pas le jaune. Bien sûr que je veux le jaune. Jaune. Tu triches pas, hein? Non, je vais le piquer. Orange. Violet. C'est pas les couleurs du début. Ah non, j'avais pioché le bleu. Pas tout à fait. Presque. Hein. Allez, tu es prête, Mamounette? Ellie, tu as droit aux autres couleurs. Ah, Mamounette, elle dit les couleurs, mais non. Ellie, toi, tu as le droit à toutes les couleurs. Allez, c'est parti pour 3 minutes. Vous êtes prêtes? J'ai fini mon rose. Toi, t'as fini? Ah bah, vas-y, prends une autre couleur. Ellie, ça va être tranquille. En fait, elle te nargue, Ellie. J'ai fini avec le rose. Et toi, Mamounette? Vas-y, je suis prête. Allez, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, le temps se met à filer comme l'éclair. Oh, le jaune, c'est la meilleure couleur que j'ai jamais utilisée depuis le début de ce challenge de folie. Ça remplit bien? Ah oui. Il est pas sec? Ah non. Bon. Moi, le bleu ici, il est pas sec. Bah, t'as bien de la chance, mon cœur. Ah, mais parce que tu fais des petites surfaces, mais ouais, quand tu te mets à colorier des grandes surfaces. Mais toi, t'as appuyé ou pas? Non, mais ils sont vieux ces feutres. Je crois qu'on les avait déjà pour le marqueur challenge il y a un ou deux. Tout à fait, ce sont les mêmes feutres. Toi, t'as appuyé très fort et. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que pour toi, Mamounette, c'est un 3 marqueur challenge, mais pour Ellie, c'est un 1 marqueur challenge? C'est un 50 marqueurs et un seul challenge. C'est ça, c'est plutôt ça. Alors, Ellie, j'espère que tu vas finir, hein, parce que quand même. Avoir le temps de 3 dessins. Regardez, là, j'ai presque fini l'oreille. Ah oui, pas mal, pas mal, pas mal. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les stylos, voilà. Alors on va jeter un petit coup d'œil au temps quand même, hein. Regardez. 2 minutes 02, 2 minutes 01, 2 minutes 00, 1 minute 59. Donc on a passé 1 minute déjà, Mamounette. Et ton poulet est tout jaune. C'est une technique. D'accord. C'est pas comme ça les poulets. Je crois qu'un poulet, c'est plutôt orange. Là, ouais, là, c'est marron orange. Orange, hein. Et là, mais l'orange. Ouais. Ça a les plumes oranges, les poulets. Hein. Ah, ça y est. Toi, t'aurais même pas fini ton lot, Doudou. Il te reste plus que la tête, ma puce. Dépêche-toi. Regardez les petits copains de copines. Il reste 1 minute 35. C'est pas beaucoup. Tu le fais à l'aveugle, toi? Donc, tu fermes les yeux, en fait, quand tu colories. Bah, dis donc, c'est pas mal. Hein. Alors, Mamounette, elle colorie. Mamounette, elle est à fond, elle est à fond. Tu triches? Oui, ça on avait remarqué. Là, franchement, on avait remarqué. Si peu. Presque tout de suite on a remarqué d'ailleurs. Si t'as pas. Si tu veux quelque chose d'autre, comme tu l'as. Ellie qui essaye de me soudoyer. Alors, regardez combien de temps il reste. 1 minute 02. Et ce sera la fin de ce 3 marqueurs challenge. Donc, il faudra voter. Est-ce que Mamounette a réussi à battre Ellie? Ah oui! Ou est-ce qu'Ellie, en faisant un seul dessin, a complètement explosé Mamounette? Non, on n'est pas fini, regardez, il reste encore toute la tête du loup. Ellie, elle prend son temps. Dans la vie, je pense que ce sera toujours le cas. Hein. Ellie, à la cool. Tranquille. Alors Mamounette, stressée à mort, comme d'habitude, comme dans la vie. Hein. Faut qu'on vous le dise, les petits copains et copines. Hein. Allez, on va se psychanalyser. Mamounette est une stressée de la vie. Hein. Bah oui. Alors qu'Ellie, c'est une coolitude complète. C'est ouais, j'ai le temps. Lana aussi, et Papounet aussi. Regardez combien de temps il reste. Il reste 24 secondes. Alors ça, vous voyez, les petits copains de copines. 24 secondes pour Mamounette, c'est la fin du monde. Alors que pour Ellie, tranquille, c'est large, bon. Large. Alors, Mamounette, je crois que t'as fini là. Ouais. Tu peux peaufiner encore, il reste 10 secondes. Enfin 9, 8. Ellie, est-ce que tu as fini? Parce que là, on arrive au bout. Hein. 5, 4, 3, je vais dire posez vos stylos. Attention, 1, 0, posez vos stylos. Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? Posez votre stylo, c'est pas la peine de te mettre derrière ça pour te cacher, on te voit. Alors Mamounette, on te voit, coquine. Ce que je te propose, c'est de me montrer tes 3 dessins. Alors, pendant qu'Ellie termine. Crois. Oui, c'est vrai, alors celui-là, tu l'as très bien réalisé, parce qu'il est vraiment colorié de partout. Alors il a peut-être pas les couleurs de la poule de Minecraft, mais c'est très très bien fait. Elles sont jaunes et blanches et un petit peu de orange. C'est ça, elles ont beaucoup de blanc. Mais comme il fallait colorier, forcément, tu as utilisé la couleur. Donc moi, je dis bravo. Bah oui. Qu'est-ce qui t'arrive, Mamounette? Tu m'as trop stressée. Est-ce que tu es en sueur? Non, mais attends, je vais aller me changer. Je vais prendre une douche. Le coloriage, quand même. Au Karcher, la douche. T'imagines? J'ai fait 3 coloriages, j'ai pris une douche. C'est bizarre. Non, là-bas, il y a de l'eau.
Ah oui, tu peux boire de l'eau. Allez, hydrate-toi, ma mère. C'est très important. Très important. L'eau froide, quand même. D'eau très fraîche. Hein. Allez. Moi aussi, j'ai soif. À force de parler, j'ai la gorge sèche, ma mounette. Oh, oh la blague. Oh, ça va mal se finir, ça. Ça va mal se finir. Mon t-shirt kawaii. Son t-shirt kawaii. Ouais, mais ça fait bon, il fait 40 degrés aujourd'hui. Mais attends, t'as deux pauvres petites gouttounettes là. Je peux boire un coup, moi aussi, j'ai trop soif. Merci. Ah toi, je t'ai fermé, c'était fou. Je te mouille pas. Non, je te mouille pas, maman. Non, derrière, il y a mon meuble. Ouais, c'est vrai, ça se ferait pas. Ouais, non, ça... Non, mais j'ai soif, ma monnaie, je vais boire un coup. Non. Je vais boire un coup. Non, sérieux. Je peux boire un coup. Non, mais... parce que j'ai du mascara. de Maybelline. Ah, ça fait du bien. Ma monnaie, tu veux boire un coup? Et là, c'est le moment de stress maximum pour ma monnaie. Non, pardon, pas les colères. Pardon, Luke, elle a mis 50 minutes. Pardon. Regarde, mouiller ton dessin. Ah non, attends, c'est toi qui as écrit ça? Oui. Oh, je meurs d'amour, elle a écrit là. Oh, bravo. Oh, c'est trop bien, mon chat. Bon, ma monnaie, est-ce qu'on termine ce 3 marqueurs challenge? T'as mouillé tout mon cochon. Oh là là, pardon. Donc je suis un cochon et mon loup. Alors je suis un cochon, j'ai tout mouillé. Voilà. Je suis un cochon qui a mouillé un cochon. Donc voilà le cochon de Mamounette avec un cœur pirate. On voit que ça fait des jolis effets, hein, l'eau sur le feu. Ouais, c'est bon, ne justifie pas tes actes. Et voici le loup, tout quadrillé. Donc là on a vu les trois. Là il y a l'eau et là il y a la lave, je pense. Waouh, alors Ellie, elle est partie dans des considérations artistiques. Donc bon, je disais, vous avez vu les trois dessins de Mamounette? Non, on n'avait pas vu. Vous... Eh bien, mais fini, vite. Et maintenant, oui, il faut qu'on voit le tien, ma puce, pour pouvoir voter. Alors, on va laisser à Ellie 30 secondes supplémentaires. Parce que j'avais voté, c'était comme ça. Mais en fait, j'ai ajouté le parce que j'aimais bien le. Ah oui, d'accord. Alors, ma puce, finis-moi cette tête. Finis-moi cette tête! Parce que j'aimerais trop les copains et copines que vous votez par moi. Parce que j'aimais avoir que vous aimez! Je vous soudoie, les petits copains et petites copines, je vous love! J'ai mis un mot que vous aimez, alors votez pour moi! Je traduis. Oh là là là! Oh là là! Je viens de la bouffer! Oh là là! Mais c'est quoi ce 3 marqueurs challenge qui dure une heure? Bon, je crois qu'Elie a terminé, oui! On y est arrivé! Alors, je dois dire. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Franchement, mon honnête, le jeu en valait la chandelle. Il est magnifique, ce. Pas un 3 marqueurs, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs différentes. Oui, mais bon, 8 couleurs, bon, hein, ça va. Ça va. C'est un 12 000 marqueurs challenge. C'est un coloriage, en fait. C'est ça. Je voulais vous montrer le coloriage des lits. Voilà. Bon, et eh ben moi, franchement. Ouais, beau, je l'adore. J'aime autant les tiens, mon honnête, que celui des lits. Parce que toi. J'aime bien le Steve aussi, mais toi, mon honnête, t'étais vraiment dans la contrainte. Alors Kelly, elle était dans l'artistique, là, elle avait tout le temps qu'elle voulait. Elle faisait une création. Donc je mets un point chacune. Un point pour Ellie parce que son dessin est vraiment très bien fait. Un point par dessin pour moi. Non, un point chacune. Ok. Oui, parce que toi, Mamounette, tu as réussi ton 3 marqueurs challenge. Mais franchement, quand on compare ce dessin avec celui d'Ellie, il n'y a pas photo. Regardez derrière, ça fait du marron derrière. C'est moi. Oh là là, ça a tout taché derrière, c'est dégoûtant. En plus, t'as vu, t'as taché tes œuvres, Mamounette, c'est pas possible. Non, c'est la mauvaise foi. Bon, les petits copains et copines, on va se laisser sur ce 3 marqueurs challenge de la mort, de la catastrophe, du fail. Hein, on vous fait de gros bisous, j'espère que vous vous êtes amusés autant que nous, on a rigolé. Parce qu'on s'est bien amusé, Mamounette. Oui, la mauvaise foi d'Elie, entre la mauvaise foi d'Elie, le stress de maman, papa qui est complètement à l'ouest, enfin bref. Après, on s'est bien amusé. J'ai arrêté le chronomètre. Je sais plus où j'en étais. Mon téléphone s'était éteint. Allez, les petits copains et copines, on fait de gros bisous, likez, partagez, commentez, surtout abonnez-vous, surtout. Au-delà de tout, soyez sages. Et commentez et partagez. C'est un peu ce que je viens de dire, non? Et faites-vous des câlins. Et aussi, rafraîchissez-vous parce que. Allez, rafraîchissez-vous. Rafraîchissez-vous, les petits copains et copines. Bon, allez, on se laisse sur le lab. Il fait chaud. On se laisse sur. Et attends, ma monnaie. Attends. Ce qui est drôle, c'est qu'un loup. Bah, la femelle du loup, c'est une. Louve. Et elle écrit love. Il manque un U et on a la louve. Ah!